Nous allons voir à présent comment augmenter en crochet filet au début du rang. Donc je vais réaliser un rang en réseille vide. Donc je fais 3 mailles en l'air pour la première bride, 2 mailles en l'air pour les 2 mailles d'arceau. Et là, ma première bride, piquée bien carré sur la bride en sautant 2 mailles. Donc, je fais mes 2 mailles en l'air pour arceau. Je pique ma bride sur la bride suivante. Donc, 2 mailles en l'air. Et je pique ma bride sur la dernière bride de mon rang. Voilà. Ensuite, je vais augmenter donc 1, 2, 3, je vais augmenter de 2 résilles. Alors 2 résilles pleines, ça me fait donc 3 et 3, 6, 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne. Donc là, je suis au début du rang. Pour ma première bride, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, je vais piquer la bride suivante. 1, 2, 3 dans la quatrième maille en l'air. Ici, il faut bien piquer dans les mailles pour que le travail soit bien accroché. Donc je fais ma bride. Je pique dans la suivante. Et ainsi de suite, je reforme mes résilles sur cette chaînette que je viens d'allonger, que je viens de créer pour augmenter mon rang. Donc ici, ce sont des résilles pleines, mais je peux aussi bien faire des résilles vides. Et ensuite, je reprends le rang comme il se présente. Donc, je pique dans la bride ici. Deux mailles en l'air. Je pique dans la bride suivante, bien dans la tête. Deux mailles en l'air, on pique dans la bride suivante en sautant les deux mailles d'en dessous, donc deux mailles en l'air, et je pique ici dans la troisième maille du début pour faire la bride suivante. Voilà, ici je vais faire une augmentation à la fin du rang. N'est pas du tout la même chose puisque là je dois agrandir afin de pouvoir faire donc une base et une bride. Alors ici ce sont des triples brides qui entourent les résilles vides. Donc ici je suis arrivée à la fin de mon rang. Alors je réalise les deux mailles en l'air, 1, 2. Je fais une triple bride, donc j'enroule 3 fois. Je pique toujours à la base de la dernière bride. J'écoule donc les mailles 2 par 2. Et voilà, comme ça, ça me fait une résille vide. Je continue, donc 2 mailles pour l'arceau,
une triple bride, donc 3 jetés, je pique, j'écoule donc mes boucles 2 par 2, et à présent je vais agrandir avec des résilles pleines. Donc pour faire des résilles pleines, en fait, il suffit de faire une double bride que je pique ici dans le corps de ma triple bride pour faire à peu près 2 mailles en l'air, et je pique ici dans ce qui représente la troisième maille. Donc j'écoule les boucles 2 par 2, je fais encore ici 2 jetés pour ma double bride, je pique un peu plus près puisque là c'est une résille pleine, et j'écoule donc les boucles 2 par 2. Allez, encore une double bride, je pique ici au bord . Voilà, j'écoule toujours mes deux boucles 2 par 2 et je termine donc ma résille pleine qui est composée, je le répète, par 4 brides. Voilà, donc là j'ai augmenté. Alors j'ai augmenté au début et j'ai augmenté à la fin du rang. Voilà, comme ceci.